Oh my god, les enfants ils se lèvent tôt. Moi j'espère que mon gosse il se lèvera à midi. Pourquoi les bébés ils se lèvent tôt comme ça? Vous voulez pas dormir? Vous êtes si petit. Réveille-toi Julie, il faut qu'on s'occupe d'un enfant. Et moi je viens pas. C'est très dur le réveil. On est dimanche matin, il est 8 h. C'est vraiment un enfant. Je parle pas fort parce qu'il est vraiment 8 h du matin. Là, je peux vous dire qu'il y a toute la maison qui est en train de ronfler. Mais j'espère que vous allez bien. Good morning! Moi, franchement, je suis surexcitée parce qu'aujourd'hui, je vais être babysitter pendant 24 heures. Donc en fait, je vais passer la journée avec Liel, qui est ma nièce. Parce qu'en fait, c'est la fille de Ruben. Et Ruben, c'est comme mon frère. Donc, Liel, c'est ma nièce. Elle m'appelle Tata Maya. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ma nièce et je suis sa tata. Donc aujourd'hui, je suis en Tata Maya Duty. J'ai concocté une journée de rêve pour Liel. Donc là, on va aller la chercher en voiture. On petit déj ensemble. Comme ça, je peux déjeuner avec Ruben aussi. Et ensuite, ça part. Franchement, j'ai trop hâte. Liel, je l'adore. Elle a 4 ans. On est comme ça. Mais j'ai peur un peu. J'espère que je vais... J'espère que je vais pas la casser. Comment on s'habille pour être babysitter? Genre, il faut que je sois très flexible. Genre, faut que j'ai un truc que... Faut que je puisse courir. Si elle s'en va en courant, on fait quoi? Là, je suis bien, je peux courir partout, genre. Là, je suis prête. Il me faut aussi des baskets. Mais genre, le type de basket où c'est en fait les baskets qui courent vite. Ça, c'est des baskets qui courent vite. Let's go. Là, je suis une vraie môme. Je vais la chercher en voiture. Par contre, après, je pense que je vais poser la voiture et on va se balader à pied. Parce que j'ai trop peur de conduire avec un enfant dans la voiture. Parce que j'ai le permis, mais faut pas non plus abuser. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Liel est fan, mais quand je vous dis fan, c'est fan de la Reine des Neiges. Donc faut que j'apprenne au moins une chanson de la Reine des Neiges, là. Tant pis. Libéré. Donc c'est ça que les enfants écoutent avant d'écouter Dua Lipa, genre quand tu grandis. Genre c'est ça leur playlist, c'est en été, Houdini. Y'a Ruben qui m'appelle. Ouais Ruben. Ouais, ça va quoi? Ça va et toi, ça y est, t'es réveillé? Ouais, je suis réveillé depuis frère, j'étais à la boulangerie acheter des croissants et des pains au chocolat frère. C'est pas vrai, j'arrive là. Allez ça va, attends. Elle a hâte, elle est réveillée ou pas? Elle m'a raccroché. Ouais. Hey. On va rigoler aujourd'hui hein. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Je croyais que tu vas me chercher avant l'école. Ah bah y a pas école aujourd'hui. C'est encore mieux qu'il n'y a pas école parce que t'as toute la journée avec moi. Toi tu tires tout le temps la langue à moi. Ça c'est chippy. Si tu pouvais avoir une journée de rêve, tu ferais quoi? Là je ferais. Ok. Des surprises. Il y a des surprises, ouais. Des bonbons. Ok. Des cadeaux. Des cadeaux. Ok. De toute façon, tu sais que Tata Maya, c'est des cadeaux. Hein. Tout le temps, elle vient te voir avec des cadeaux. Mais là, j'ai pas de cadeaux aujourd'hui. Mais peut-être qu'on va aller les chercher ensemble, les cadeaux. J'ai une grosse surprise à la fin de la journée. On va rigoler. J'ai une question à te poser. Elle connaît pas bien qu'est-ce qu'elle avait fait pour ton anniversaire, Tata Maya? Ah bah la décoration. Ouais, mais il y avait quoi après? Ah bah il y avait Elsa. Quoi? Il y a Elsa qui est déjà venue à ton anniversaire? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres princesses que t'aimerais voir? Ariel, elle peut se transformer en queue de sirène, mais après elle a plus de queue de sirène. Mais Ariel, elle est dans l'eau, je sais pas si elle peut venir ici. Il y a qui pourrait venir comme princesse? Une amie. Belle, Cendrillon, Belle. T'aimes Vaiana? Ok. C'est bon le pain au chocolat? Parce que j'ai l'impression que t'aimes bien ça quand même. T'as goûté le pain au chocolat? C'est ma tata Maya, ça c'est pas ta tata. Ah si si si. Si pardon, excuse-moi, c'est moi, je vais lui faire le bisou parce que c'est ma tata Maya. C'est ma tata Maya, non.
C'est toi qui as fait ça sur le canapé? C'est quand j'étais petite, je savais pas. Ah oui, hein, tu passes ça sur mon canapé, hein. Mais chez toi, il y a pas de feutre. Peut-être. Mais même s'il y a des feutres, tu tâches pas mon canapé, hein. T'es prête à partir? Oui. Allez, on y va. Je t'aime. Allez, hop, on y va. Oui, à l'escalier. À l'escalier, alors vas-y. Non, c'est moi qui la porte. Ok, allez, vas-y. Waouh, trop fort. Attention la marche. Allez, vas-y. Allez, on fait quoi dans la voiture, le Liel? On s'attache. Tu veux que je mette quoi comme musique de la Reine des Neiges? Laquelle? Libérée, délivrée. Oui. Libérée, délivrée, je mentirai plus jamais. Je crois qu'on arrive bientôt à la première surprise. T'aimes bien les surprises? J'adore, on arrive bientôt. Bah là, on est arrivé. Ferme les yeux. C'est bon, c'est bon. Tu veux te mettre debout? J'ai ouvert les yeux. Là, on est devant un magasin de jouets, ok? Et si je te dis que quand on rentre dans le magasin de jouets, t'as une minute pour prendre ce que tu veux. Tu sais ce que tu vas prendre? Oui, je sais. Tu sais déjà? Oui. On y va alors? Tu vois le panier là? Tata Maya va le tenir. T'as une minute pour prendre tout ce que tu veux. À partir du moment où je dis go. 3, 2, 1, go. Vas-y, vite. Quoi? T'as une minute pour prendre ce que tu veux. Vas-y, prends ce que tu veux. Tu veux ratatouille, ok? Prends-le dans tes mains. Vas-y, prends. Miraculous, prends. Il est gros. Il est gros, hein. Waouh, ok, je te le tiens. Ça, c'est un petit. Ça, c'est un petit, ouais. Vas-y. Tu veux ça? Mais lui, il est trop gros. Ah, il est gros, hein. Mais il le prend quand même. Tu veux le prendre quand même? Ok. Ah non. Ah non. Ah, regarde. Ah, ils sont trop mignons, regarde, lui. Ah oui. Ah ouais, c'est trop mignon, ça. Tu mets dans le panier. Allez, il te reste plus beaucoup de temps, là. C'est bon. Ok. Et là, les princesses? Non, aussi. C'est bon, je voulais ça. Tu voulais ça, ok. Je l'éco-responsabilité de Paris. Ça, c'est une bonne surprise que tu m'as fait. Ah bah oui, hein. Alors regarde, on a la robe de réponse, la robe de danse classique, le docteur, t'es sûr que tu l'as pas déjà? Non, je sais pas. Tu l'as pas? Pâte à modeler. Ça, c'est pour faire des perles. Ça, c'est de la pâte à modeler. Lequel tu préfères entre les deux? Celui-là? Celui-là, je le pose. Non. Non? Les deux, pâte à modeler. Le balai? Ouais. Ça, c'est quoi? Pour les bébés, ça, non? J'aime bien. T'as un gros sac là, hein. Avant il était petit, hein. Ouais, là ouais, tu m'as bien eu là. Tu m'as bien eu, hein. Ouais. Ah ouais, hein. T'es sûr qu'on prend tout ça, il y en a pas trop? Oui, il y en a trop, mais il y a plus. C'est ça. Alors t'as aimé la première surprise? Ouais. T'es contente? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? On a plein de jouets. On va faire la pâte à modeler. On va faire la voiture de Miraculous. T'es déjà venu dans ma maison? Mais il va manger ton koala et ton chat. Mais mon koala, je sais pas s'il est là aujourd'hui. Alors appelle tonton Jules s'il est là. Tonton Jules, chat. Peut-être qu'il a le koala. On va lui demander. Mais toi, t'es jamais venu dans ma maison. Oui, je suis jamais venue. Tu veux voir ma chambre? Elle est toute rose. Ah ouais. Ah ouais. Et là où il est ton koala? Mon koala, il est pas là, je crois. T'es déçu? T'es sûr qu'il est pas là? Non, il est pas là. Tu peux parler de lui, il est pas là. Je voulais pas qu'il soit là. Tu voulais pas qu'il soit là? Parce que j'avais peur s'il me mange. Ah, mais il va pas te manger, mon koala. Et là? Oh, regardez qui? C'est mon chat. J'ai pas peur de lui. Bah, pourquoi tu te mets sur moi alors si t'as pas peur de lui? Parce qu'ils ont envie de faire un câlin. Ah, c'est un câlin, c'est pas que t'as peur du chat. Let's go, on va se laver les mains. Tu veux dire bonjour à ma maman? Bonjour, petite princesse. Oh, t'as vu, elle a cru que t'étais une princesse. Ah, c'est pas une princesse. Si, c'est une princesse. Vas-y, mouille tes mains. Voilà. Ensuite, du savon. Hop, hop. On frotte, on frotte, on frotte. Et maintenant, voilà. Moi, je suis pas grande. Presque. Je suis pas à ta taille. T'es presque à ma taille? Oui. Je suis pas sûre. Oh, regardez qui est encore derrière. On lui dit bou. 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 Qui? Il y a quelqu'un qui m'a dit que Lily, elle aimait beaucoup les puzzles. C'est est-ce papa. Que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'est papa. Mais est-ce que si je te dis que Tata Maya a un puzzle pour toi, tu serais contente? Oui. Tu fermes les yeux et quand je te dis ouvre les yeux, t'auras un super puzzle. Pour ouvrir? Tu peux ouvrir. T'as vu? Je me rappelle. On était en vacances. Ouais, tous les deux. C'est un puzzle d'une photo de nous deux. Essaye de le faire. Et là, il y a ton t-shirt aussi. Avec les fleurs. Je l'aime bien. Ah bah oui, il est trop beau. Oh, t'es trop forte. Vraiment, je pensais pas que t'étais aussi forte. Donc là, t'as réussi le puzzle de Tata Maya et de Liel. Tu veux le ramener à ta maison, ce puzzle? Non. Non? C'est pour toi. C'est pour moi? On va jouer? J'aime pas quand il me regarde comme ça. T'aimes pas quand il te regarde comme ça? Non. Mais tu sais pourquoi il te regarde comme ça? Parce qu'il te trouve trop belle. Il a dit, mais c'est qui celle-là? Elle est trop belle. C'est une princesse.
Dis-lui de partir. Tu sais comment il s'appelle? Non. Il s'appelle Bonnie. Bah peut-être que si tu lui dis Bonnie, arrête de me regarder, il va arrêter de te regarder. Non, c'est toi. C'est moi? Bonnie, s'il te plaît, arrête de regarder Liel comme ça. Bah non, il me regarde encore. Mais je crois qu'il te trouve trop belle, c'est pour ça qu'il te regarde. Tu l'aimes pas trop? Ah, il a arrêté de te regarder, t'as vu? Oh, il y a un petit lapin. C'est à lui? Ouais. Il a peur? Ouais. Viens, on va le donner. Ouais, il est là. Jette-le. Non, il me regarde. Non, j'ai peur. Ok, bon, on lui parle plus. Des poupées, vous avez pas vu? Bah oui, j'en ai plein des poupées. J'adore les comme ça parce qu'il y a du violet, c'est mon préféré couleur. Ah ouais? Attends, Liel, je vais chercher tout mon sac de poupées, t'es prête? Oui. Tu restes là? Oui. Tu parles à la caméra? J'arrive. Non, je vais pas parler. Ok, j'arrive. Mais tu fermes la porte. Oui, oui, promis. Je vais me cacher. Tu vas te cacher? Pour pas me voir. Mais il te verra pas, hein? J'ai envie de te suivre. T'as envie de me suivre? Oui, parce que j'ai envie d'aller dans tes bras. Pourquoi? Parce que je t'aime. Oh là 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 là, mais je crois que je vais te manger. Attends, regarde. Oh là là. Oh là là, je crois que je vais te mettre dans une crêpe et que je vais te manger. Miam 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 miam. On met la robe? Les deux. Les deux? Mais t'es danseuse classique. Est-ce que tu veux que je te mette une danseuse classique sur la télé comme ça tu la recopies? On fait en même temps? Mais il y a en même temps, mais t'as pas une robe. J'ai pas de robe, mais c'est pas grave. T'imagines que j'ai une robe, ok? Ça te gratte? C'est le robe. On l'enlève? Ouais. On peut mettre la robe en plastique. C'est mieux. C'est quoi ton rêve? J'ai pas de rêve. T'as pas de rêve? Si tu pouvais faire quelque chose que tu rêves, ce serait manger quoi? Manger des pizzas. Oh, mais peut-être qu'aujourd'hui on va manger des pizzas. Hein. Pâtes. Des pâtes. Quoi d'autre? Glace. Ah ouais. Et quoi d'autre comme rêve? J'ai un rêve. Ouais. Licorne. Ah bah ça, j'en ai pas. Là, il y a le sac avec toutes les poupées de Tata Maya. Je savais qu'un jour, c'est Sonny Angel, ils allaient me servir à quelque chose. T'es contente que je suis venue chez toi? Bah ouais, je suis trop contente. Ah, il est trop mignon, lui, c'est un bonhomme de neige. Lui, c'est un rare, c'est le chourave, j'ai trop le seum. Est-ce que t'aimerais aller manger une pizza et des pâtes à la crème? Ouais. Ouais. On y va? Ça. On y va? Mais pas encore. Il faut mettre toutes les poupées sur le bureau et ça va bien. Putain. Fleur au pétanard, répands ta magie. Waouh. On y va? Ouais. En plus, on dirait que t'as une jupe du coup. Ouais, regarde. Il y a partout des poupées. Bah oui, il y a des poupées partout. Il y a plein de jouets. Il y a trop de jouets partout. Ah, il y a tonton Jules qui m'appelle. Je réponds ou pas? Coucou. Coucou. Bonjour Liel. Est-ce que c'est toi qui as le koala? C'est pas un koala, c'est Smithers. T'as vu, c'est tonton Jules qui a le koala. Mais c'est un vrai? Oui, c'est un vrai. T'es sûr? Bah oui, je suis sûre. Ah oui, il parle. T'as vu, il parle? Il y a un chat et un koala. T'as un zèbre? Un zèbre? Non, j'ai pas de zèbre. Attends, je te rappelle, on va manger. Au restaurant. On va manger au restaurant, une pizza à la crème. Et des pâtes. Et des pâtes. Oh là là, à la crème. À la crème. Oh, allez, je te rappelle. Bisous. Regarde, on a les mêmes chaussures, viens voir. Mais c'est ce que moi, les crèmes sont vertes. Même ailleurs? Ouais. Bonnie, il m'a dit qu'il a envoyé un message à Liel. C'est pas vrai? Si. Oh, regarde, le chat, il a envoyé un message, il a dit: pour Liel, je t'aime beaucoup, c'est pour ça que je te regarde. C'est pas vrai? Ah, t'as vu, il est gentil, hein? Je savais qu'il l'aimait bien, il m'a dit. Parce qu'il a dit que t'avais l'air gentil. Ouais. Les chats, ça peut pas envoyer des messages. Ah, bah si. Oh, il est très doué. Il y a des chats magiques, hein? Mais moi, j'ai un chat magique. Le restaurant, il est là. C'est celui-là, il est tout rose. Oh, wow. Tu veux que je te dise ce qu'il y a à manger? On a des pâtes au saumon et à la crème. Mmh. Et pizza, on peut prendre fromage. Ouais. Il y a papa qui m'appelle en FaceTime. Wow. On est au restaurant. Ça va, ça a été ce matin, t'as fait quoi? On a pris plein de cadeaux. On a pris plein de cadeaux. On a pris cette robe, ratatouille, dorteur, pâte à modeler. Elle m'a dépouillé. Après le dorteur, Ladybug, la voiture. Après on est allé chez Tata Maya. Après le petit comme ça, et j'avais peur du chat. Elle avait peur du chat, mais en fait il a lui envoyé un message pour dire qu'il était gentil. Oui. Bah oui, il est trop gentil le chat. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. C'est du fromage pané. C'est bon ou pas? J'adore, mais j'ai déjà goûté ça. Ouais. Mais tu me laisses pour moi, ok? Ok. C'est quoi les petits verres? C'est juste pour faire la décoration. T'aimes pas quand il y a du verre comme ça? Ouais, moi aussi j'aime pas. Mais c'est pas grave. J'aime bien la pizza. Ça a l'air trop bon, non? On kiffe là.
C'est toi la meilleure tata, personne d'autre. Ça c'est parce que je t'ai trouvé une pizza. Hein. Mmh. En dessous il y a du cookie. Est-ce que tu veux que je te fasse une cuillère parfaite? C'est bon? T'as dans les mains ça. On va au parc? Avant tu te connaissais pas. Moi je te connaissais quand t'étais bébé hein. Moi Liel je te connaissais, t'étais comme ça. Tu faisais cette taille là. Comme le chat. Ouais. T'as vu le parc, il est beau hein. Gros parc. C'est un gros parc hein. Tu m'as offert ça pour moi. Ouais. Ça serait vraiment une grande surprise. Ouais. Il y a pas que. C'est pas grave. T'as ta trottinette. Tiens, prends mes lunettes, parce qu'il y a trop de soleil. Waouh, elles sont trop belles. Depuis ce matin, elle me dit la trottinette, pour le parc. On arrive au parc, elle me dit je veux pas de trottinette, je veux marcher. Trop cool. Regarde là, il y a des jeux, tu peux monter et descendre. C'est des jeux ça. Mais si, c'est des jeux. Monte sur le celui-là, tout en haut. 1, 2, 3, 4, 5. J'avoue, c'est pas un jeu de fou. En fait, il n'y a pas vraiment de parc avec des toboggans, des jeux et tout. Près du resto, on a mangé. Le seul parc pas loin que j'ai trouvé, c'était celui-ci. Mais j'avoue, c'est plus pour les Instagrammeuses que pour les enfants. Tu veux toujours pas ta trottinette? Ok, ouais, t'inquiète, je vais la porter pour rien. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie. Liel, je chante bien ou pas? Liel. Waouh, c'est trop bien. Arrête. Mais regarde, c'est trop bien. Attends, je vais juste te couper les cheveux. Et non. Ah, ça y a des boucles, j'aime pas. Quoi? Mais pas du tout, ça fait déjà des boucles ma chérie. Hein. Fais voir avec les lunettes. Waouh. Eh, ça te va trop bien. Eh, Liel, t'as fait le bazar. Hein. Non, c'est toi. Ça t'a fait mal le bouton là? Non. Mais je trouve que c'est pas bon. Tu t'amuses bien, Lily? Oh, mais t'as dedans. Tu t'amuses bien? Ça magique. Je parle toute seule? Tu me réponds pas? Je vais le mettre tout là-bas. Ok. Excusez-moi, dans le lait des enfants, il y a quoi en fait? Elle est inarrêtable. Les gars, là, il y a Liel qui est dans la chambre en train de regarder un dessin animé. J'ai réussi à l'asseoir 5 secondes parce que je vais aller ouvrir la porte à Vaiana. Genre, j'ai une princesse qui vient chez moi, donc elle va rester et genre elle va faire une danse, elle va mettre la musique, elle va être en mode princesse. Allô? Oui, bonjour, c'est Vaiana. J'arrive tout de suite, merci. Allez, t'es prête? Viens. T'as vu, c'est Vaiana. Wow. Wow, Liel. T'as vu, c'est Vaiana. Comment vas-tu? Bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Oh, oh, bravo Liel. Je sais qui tu es aussi. Tu es princesse Liel. C'est ça? Aujourd'hui tu es en réponse. Tu sais que c'est une très bonne amie à moi. Oh. Dis-moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu aimes le maquillage? Oui. Moi aussi j'adore le maquillage. Et tu sais qui m'a appris à maquiller? C'est Réponse. Elle dessine très très bien. Tu veux te faire maquiller? Tu fais un joli maquillage de princesse, même si tu es déjà une très très belle princesse. Ah bah oui. Mais je t'avais déjà vu à la télé. Tu m'as déjà vu à la télé, c'est vrai? Et est-ce que tu as vu mon film? Oui. Est-ce que tu as vu Pouah, le petit cochon? On l'a déjà acheté. C'est vrai, tu l'as avec toi, Pouah? Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Oh, waouh! Est-ce que je peux peut-être la caresser? Elle est pas méchante. Est-ce que Vaiana, elle peut toucher ton cochon? Oui. Oh. Donc tu es un peu sa maman? Bah oui. Oh ouais. Il y a de l'eau là dedans. Tu as un film préféré? Un film que tu aimes vraiment beaucoup beaucoup? Bah c'est Vaiana. Ça me fait trop plaisir, oh là là. Avant j'avais les cheveux bouclés comme toi. C'est vrai? Bah alors ça veut dire qu'on a les mêmes cheveux. Et quand on fait le brushing, j'ai pas les mêmes. Et comment tu fais ça le brushing? Brushing ça fait du vent et après c'est chaud. D'accord, et ça... C'est pour les cheveux. Oui, ça va être trop beau. Je t'ai déjà fait maquiller comme ça? Wow. On va te faire une jolie couronne. Tata Maya, elle a un chat magique. Un chat magique? Il m'a envoyé. Tata Maya, elle a un chat magique. Oui, oui, mais le chat, il m'a envoyé un message. Non. Comment il a fait? Attends. Mon... Je vais lui lire, je vais lui montrer. T'étais chère Liel, je t'aime beaucoup, c'est pour ça que je te regarde. Oh, waouh. Mais avant, j'avais peur de lui. Après, là, j'ai plus peur. Toi, t'es un animal, c'est vrai? Oui. T'as un cochon? Oui. Oh là là, c'est vraiment beau. Hein. Et on va mettre des paillettes après.
c'est trop mignon, genre elle est trop contente et en fait elle lui raconte toute sa vie pour être sûre que Vaiana elle la connaît bien. Bon, elle dit alors mon petit frère il a 2 ans et des fois il se réveille pendant la nuit, c'est trop mignon. Tu joues trop bien. Et bah, est-ce que tu chantes aussi? Oui. Oui, tu chantes? Fleur au pétale d'or, répand ta magie, inverse le sort, rends-moi ce qu'il m'a pris. Waouh! Est-ce qu'il y a une couleur que tu aimes bien? Parce que là, je t'ai mis du rose et violet. Et ben, on va mettre les deux. Oh, Yael, t'es trop belle. T'es belle, oh là là. Ah, j'adore. C'est beau? Ça te plaît? T'adores? C'est beau, ça fait un L comme Yael. Moi, après le L, j'ai I, E, L. Ouais, et ça fait combien de lettres en tout? 4. Bravo. Comme ton âge. Ma cousine Noah, elle s'est comptée jusqu'à 1000. Et mais toi? Non. Non. Waouh! Moi, j'aimerais bien qu'il y ait du Alipa qui vienne chez moi. Tu fais officiellement partie du club des princesses. Et voilà. Waouh! T'as trop de chance! Waouh! Oh là là! Tu es trop mignonne, ça te va trop bien! Ah! Ta mère, elle a bien poupée! Je vais la laisser partir! C'est rigolo! Elle a aussi un koala là! Ah ouais! Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu m'as fait une vraie surprise! Est-ce que ça t'a rendue heureuse que Vaiana soit venue te voir? Oui! Tu m'as bien eu hein! Ah, je t'ai bien eu hein! Moi aussi, t'avais bien eu en magasin! Ah oui, tu m'as bien eu en magasin! Ah oui, oui, oui hein! Tu préfères Vaiana ou Tata Maya? Je préfère Vaiana. Quoi? Je vais dire Tata Maya. Ah! Il pleurait pour de faux. Est-ce qu'on appelle papa pour lui raconter? Waouh, waouh, waouh! Mais tu devines c'est qui m'a maquillée? Je sais pas du tout moi. Bah devine! C'est pas Vaiana, j'espère! Si! Quoi? Elle m'a même offert un cadeau. C'était la couronne. Et même ça. Je peux pas croire. Mais Tata Maya, elle connaît bien Vaiana, c'est ta copine? Oui. Maintenant, c'est devenu ma copine. Maintenant, c'est devenu ta copine à toi aussi. Salut, maman. Maman, devine, c'est qui m'a maquillée avec la couronne? Alors là, je sais pas, c'est peut-être une princesse? Non, devine, c'est qui m'a. Ah, mais voilà! Peut-être c'est la reine des neiges? Bah non! Cendrillon? Non! Elle est venue dans la maison de Tata Maya. Peut-être c'est Vaiana? Ouais! Ouais! Oh là là! Elle m'a même offert une couronne! T'es contente? Tata! Allez, Tata! Quoi? Tu peux dormir? Tu sais comment on fait pour vérifier que quelqu'un dort vraiment? Je te l'ai dit la dernière fois. On lève un bras. Ouais. Il faut savoir en fait que les enfants, quand ils dorment et qu'ils dorment vraiment très fort, si tu prends leur bras comme ça et que le bras laisse lever, ça veut dire qu'ils dorment. Je vais lâcher le bras et si son bras reste debout, c'est que vraiment elle dort. Ah! Ah oui, elle dort vraiment. Est-ce que t'aimes bien mettre des petits trucs sur tes ongles? Ouais. Par exemple, si jamais... C'est du vernis. Non, c'est pas du vernis, c'est des stickers Disney. Tu peux mettre Elsa sur tes ongles. Ah oui, c'est ça. Il faut les coller sur les ongles. Bah, il faut les coller sur les ongles. Ok, je te mets Elsa. Et après Anna. Waouh. T'as vu, on a fait tellement de choses aujourd'hui. Ça veut dire qu'on faisait... Ah oui, hein. Tu commences à être fatiguée. Non. 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 Je vais jouer ça, toi. Ah, il y a tonton Jules qui nous appelle. Oh, ouais. Il peut voir le koala. Il peut voir le koala. Il dort là. Réveille-le. Ah non, il dort. Réveille-le. Smithers. Koui. T'as vu comment il est fatigué? Koui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est qui parle? C'est le koala. T'es sûr? Bah oui. T'es sûr que c'est pas tonton Jules? C'est qui? C'est le koala. C'est pas le koala, c'est Smithers. Et tu sais que nous, il y a Vaiana qui est venue chez nous. C'est pas vrai? Regarde, si. Regarde qu'elle m'a fait. Je vais chercher la couronne. Ok, vas-y, va chercher la couronne. Ah, ouais. Qu'elle m'a offrie. Qu'elle t'a offrie? Ça va, Maya, pas trop fatiguée? Je suis KO, frère, elle veut pas dormir. Toi, tu vas bien dormir ce soir en tout cas. Wow! Elle est belle la couronne. T'as trop de chance. Tonton Jules, il a une couronne comme ça ou pas? Non, moi ouais, j'ai même pas de cheveux, regarde. Ah ouais, comme papa, il a pas de cheveux. Et est-ce que tu lui dis que Vaiana l'a pété?
Elle l'a pas pété. Elle a pété Vaiana. Non, c'est pas vrai. Et en plus, donne-moi ta main. C'était quoi que je voulais dire? Donne-moi ta main. Tu peux te rappeler? Ah oui, on avait dansé. On avait dansé. Allez, à ta l'air, bisous. Bisous. On va faire la sieste? Non, on mange. On mange? J'ai très faim. T'as très faim? Peut-être que tu veux manger des épinards? Horrible. Peut-être que tu veux manger des champignons? Oui, j'adore. Ah ouais? Imaginez mon bazar et le bazar d'un enfant. Là, c'est le kiff, hein. Tu fais un câlin à Tata Maya? Non, je suis dans la salle. Tu peux essuyer son mondi, si tu veux. J'ai essayé. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as pensé de cette journée alors? C'est terminé la journée? Bah oui, c'est terminé. Je voulais faire de la danse classique. Tu veux faire de la danse classique? On en a fait ce matin. On rentre voir papa et maman? Encore. Quand? J'ai envie d'être avec toi. Mais peut-être qu'on peut aller chez toi maintenant? Non, on joue. Mais jusqu'à quelle heure, mon cœur, on joue? Parce que là, il va être tard, hein. Je suis fatiguée. T'es fatiguée? Non, j'ai le lapin. Ah, c'est le lapin qui est fatigué. Je crois que tu disais que t'étais fatiguée. Mais t'as mangé quoi ce matin? Des piles électriques? J'ai rien mangé. Ce midi, t'as rien mangé? Oui, j'ai rien mangé. Menteuse. Menteuse. Toi, la menteuse. Toi, tu mens et après, tu dis menteuse. Bon, est-ce qu'on met toutes les affaires de Liel dans un sac et on les ramène à ta maison? Pas encore. Oh putain, mais quand? Est-ce que tous les jouets, tu veux les laisser ici ou tu veux les ramener à ta maison? Je vais les ramener à ma maison. Ah bah oui. Alors, on met tout dans le sac? Oui. Je vais te manquer? Oui. Oh, toi aussi, tu vas me manquer? Ah. Est-ce que tu veux que je te fasse une crêpe avant de partir? Comment est-ce qu'on fait une crêpe? On met les œufs, la farine, du sucre, et là on va le retourner! Tu m'as même pas mangé! Bah si, je t'ai mangé, regarde! Tu dis au revoir Lily? Au revoir Lily! C'était quoi ta partie préférée de la journée? Vaiana. Vaiana? Et la deuxième partie préférée de la journée, c'était quoi? Tata Maya. Tata Maya? Est-ce que tu veux aller à l'école ce soir? Là, ce serait la pire surprise. Merci beaucoup. Oh là là. Merci Tata. Bisous Lily. Merci. Un gros bisou. J'ai fait. Tu l'as vu. Le gros, le vrai gros, de toutes tes forces. Wouah. Je sais pas comment vous faites, je suis KO. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Tu diras à Jules que les gosses, c'est pas pour tout de suite. Oh my god. Je suis rentrée, je l'ai déposé chez elle. Je suis KO. En fait, je comprends pas comment elle a autant d'énergie dans un si petit corps. Franchement, j'ai trop kiffé cette journée. C'était trop bien. C'était épuisant par contre. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes parents, vous méritez vraiment une légion d'honneur. Alors que vraiment, moi, j'ai fait que la partie cool. Hein. J'ai fait que la partie on rigole, on s'amuse, on joue. Mais j'imagine même pas le fait qu'après une journée comme ça, où ils débordent d'énergie le week-end, faut les divertir, que tu dois rentrer, tu dois leur faire le bain, les devoirs, les... Et qu'en plus de ça, ils sont capables de pas dormir la nuit. Je crois que j'étais une bonne nounou. Hein. Franchement, elle est rentrée chez elle, elle a kiffé. Je pense qu'elle a bien dormi par contre ce soir. Parce que ça fait... Waouh. Fatigante, hein. C'est marrant que je suis vraiment à l'aise à faire des outros et me filmer avec ça sur le visage. Je sais pas si vous avez remarqué pendant la vidéo, mais j'avais vraiment deux boutons énormes sur le visage. Ça t'a fait mal le bouton là? Non. Mais je trouve que c'est pas beau. Donc là, je suis en train d'essayer de les faire partir, mais bon. Mais voilà, en tout cas, moi je suis épuisée. Je vais aller ronfler, je vais aller rêver de la Reine des Neiges et de Vaiana. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant que Liel a kiffé sa journée. Si jamais vous voulez que je garde vos petits frères, vos petites sœurs pendant vos mariages, vos anniversaires, je suis dispo. Allez, bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.